Les guides du routard, publiés depuis une dizaine d'années par Philippe Gloagen et sa bande chez Hachette, ont incontestablement modifié notre perception du dépaysement et des distances. Avec leur quarantaine de titres, ils nous ont rendu l'ailleurs accessible, sinon familier. Ainsi, par exemple, de la dernière publication des guides du routard consacrée à la Malaisie et à Singapour. De la ville-État de Singapour, indépendante depuis 1965, on a vite l'impression de tout savoir ou presque en 25 pages, sur les bons tuyaux pour la vidéo, bien entendu, mais aussi sur le fondateur de la colonie, Sir Thomas Stamford Raffles. Singapour est l'île la plus propre du monde. Les pourboires, la drogue et la prostitution y sont sévèrement interdits, et si vous laissez tomber un papier dans le métro, vous serez certainement condamné à une amende de $500, car on vous aura forcément dénoncé. Pour se remettre, une seule adresse, le bar mythique du non moins mythique Hôtel Raffles, symbole restauré de la bonne vieille Albion victorienne. Je vous invite à y boire un Singapore Sling, ce cocktail fameux pour l'équilibre entre ses ingrédients, le cherry brandy, le gin, la bénédictine ou le cointreau, l'ananas et le citron vert. Du grand art, je vous l'assure.